Ah, il y a semaine 10 jours. La mise à jour de 5M. Oh non. Voilà. On y arrive. Faut télécharger le truc génial. Pas que c'est beau, putain. Let's go. Comme ça, il pleut. Hop, le beau micro. Merde. Ok. Et voilà. Ah. Et voilà, c'était moi à la radio. Entendu à la radio. Je disais, hola. Ah, bonsoir. Mais du coup, je m'échange et j'arrive. Bonne prise de service, voilà. Merci. Bonsoir. Je vois quelqu'un qui est sur Steam. Alors c'est 5M, au secours.
Ça fait quoi, 5 fois que je vois la notification? Uber 8. Comment ça va? HRP, je crois savoir qui c'est. HRP, je crois savoir qui c'est, au secours. Pourquoi j'ai l'impression que le retour il est beaucoup plus rapide que l'aller, quoi, au secours. Mer est désormais ouverte. Et dans tes stagiaires, prise de service. Pas de prise de service. Et pas de prise de service, Et nickel. merci. Normalement, les docteurs Valdez m'ont validé la tenue. Ah, parfait. Alors, bon. Alors, on s'en fout presque, mais. Ah, mental. Pas de présence sur la radio tant que t'es pas en service. Hein. Et pas de prise Si, de service. on me l'a dit, Ah on me l'a dit. oui. Nickel. Et bonsoir, vous deux. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, je vois que vous avez des nouvelles tenues. Oui, j'ai Oui. Ah, le docteur Valise, il y a quelque chose qui va pas. Crise Ah, de d'accord. mutisme. Ah, Ah, ok. d'accord. Ok. Le problème. Ça marche. Soren, tout va bien? Tu répondais pas à mes appels? Oui, non, c'est que je voulais que je t'appelle pour un truc. Ah. Mais au final, vu que enfin, c'est Vania qui a trouvé un truc, qui a eu l'idée, Ah. je voulais t'appeler, mais au final, elle préfère t'en parler elle-même. Et c'est Ok. à propos de ses chaussures. Ah, alors, c'est marrant parce que littéralement, Obi m'a envoyé la proposition à l'instant d'avoir des... Non, c'est pas des Crocs. Ici. Si. Si.
Ah, c'est les crocs en chaussures. Les Bah, crocs. justement. Alors, en soi, moi, je vois pas d'inconvénient à partir du moment où bon, je pense que c'est hygiénique et que tu te sens à l'aise dedans pour courir, etc. C'est vraiment pour le coup l'essentiel. Et tant qu'il n'y a pas une grosse marque dessus, bah, ça va. Après, pour courir, il faut mettre les crocs en mode sport, comme ça tout va plus vite. Avec les flammes. Les flammes. Exactement. Et après tu cries vroom vroom. Exactement, ça c'est un petit bonus. Ah, tu glisses. Et tu fais pour faire les Ouais. turbos. 1, 2, 3, 4. Alors, pendant qu'on a encore temps, je propose une sortie fourrière. On va chercher les ambulances et les Let's ATT. go. Let's go, suivez. Tout le monde vient avec nous, comme ça Dante je te montre la fourrière en même temps. Si. Faudrait Un que trou. quelqu'un ouais, monte sur les genoux de quelqu'un d'autre. Défi. Ah, je Je fais crois qu'il rien, y a je suis un des peu trop ambulances et des grand ATT avec pour mettre quelqu'un par sur les genoux de quelqu'un, mais. nous. Ouais, Soren aussi. Je ne sais pas de remonter sur mes genoux. Il y a que c'est pas monté, mais au pire je reste là pour faire une Comme vous voulez, permanence là. sur les SMS si vous êtes pas là. Je crois que sur lui d'essayer de négocier. Allez-y, montez de l'ambulance. Ah, tu connais ça? Non, ok. Merci, Soren. On est à l'intérieur. Let's go. Si, il a C'est attaché la parti. ceinture. Parfait. Je me rends pour un vanille en cas où. Peut-être que tu connais. C'est dommage, il faudrait dès que tu rentres dans une entreprise, tu prennes ça. Là, peut-être un médecin n'a pas forcément service, mais. Donc oui après Dante, hein, je pense que pour tout prévenir en fait il n'y a que les membres de la direction qui voient la fourrière d'entreprise. Ah, Et que ok. nous qui pouvons aller voir Un peu ça répond là, les ambulances. Mais je crois qu'il y a trois ambulances en fait. Donc on va peut-être devoir refaire un aller-retour vite fait. Y en a deux sur et une ATT. Parce que tout à l'heure j'ai vérifié, elle a 4, 5, 6 ambulances Ah. en garage, donc tu feras la 1, 2, 3 à la fourrière. Et du coup ça fait 5, et je pense que tout à ça va faire, je sais plus c'est combien pour la fourrière, 500$. Donc ouais, on va perdre un petit peu les SMS, mais c'est le truc. Ah, monsieur, voyons. Vous voyez bien qu'on est en train d'arriver. Alors faut faire faut faire gaffe où est-ce qu'ils nous les livrent? Oui. Et comment ça ils nous les livrent comment? Parce que la dernière fois il nous les a livrés sur la gueule, voilà. Ah d'accord, ok. Éviter de se placer sur le plein de Exact. parking, je pense. Du coup, chacun prend une ambulance. Je vois les bitumes. Tu ramènes la tienne en haut et les autres vont en bas au garage. Ça marche. Bah, du coup. Et du coup, il restera deux ATT. En vrai, je viens avec vous en bas et on repart avec la mienne. C'est pas bête. C'est différent de conduire les ambulances. Ou alors c'est parce que c'est la neige. Une période de G6, c'est différent des camions, ouais.
fais attention quand on arrive, la station est en difficulté. Et du coup, il reste combien de véhicules? Bon, allez, mais je vais rester comme ça, je rejoins sur Réal, c'est lié à ça. Ah, oui. Vania, je veux bien que tu remettes le point, s'il te plaît. Et la pompe est censée là, Odéon. Merci. Et ta tête me dit quelque chose, on sait pas déjà vous. Ah ben peut-être. Je travaille à l'SMS donc. Si t'es pas sûr à l'SMS, on sait déjà vu. Si, il y a un moment quand j'étais venu, t'étais sous l'ordinateur froid. Peut-être. Et je me suis toujours demandé ce que tu faisais sous cet ordinateur. Des choses du LSMS. Avec des bruits de zombies. Je crois que c'était un vrai zombie. Je sais plus. Alors, ouais. Oh, il y a des néons en lui. Oh, c'est encore différent. Oui. J'ai le numéro, c'est parfait. Please wake up, that's where the stuff. And it's only smoking gun. No one ever listens, it's for people to listen. And I'm dancing like a son in the kitchen. C'est toi bien, je te souhaite parce que il faut encore que je me rappelle le. C'est le chemin. Won't you be a good sister? Oui, gracias. Héro.
Ok, c'est ça. Il n'y a que Jo qui l'a remarqué du coup. J'ai l'œil vif. Qu'est-ce qu'il y a? Prise de service. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Une bonne prise de service. Bonsoir. Hello. Yo. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Ça va mieux en tout cas. Non, c'est pas qui je croyais. Ah, je suis déçu. Entre Soren qui fait 1m96 et qui fait 1m95. Ah, ça fait les deux poteaux. Ah, ça fait les deux poteaux. Ah, je viens de voir Jessica a changé de coupe de cheveux. Waouh. Merci. Ça te va bien? Merci beaucoup. Ah oui, ok. Ah, salut. Je me suis connectée puisque... Oh, c'est ça. Putain, il faut que je mette une photo. Bon. Il reste, il m'a pas répondu.
Ah. Je ne comprends pas. Ça fait penser, Jo. T'as check si. Comment ça s'appelle? Si. Les lignes d'Emily sont arrivées? Ah non, j'ai pas fait attention, non. Tu veux que j'y aille ou tu t'en occupes? Comme tu veux. Tu t'occupais de le début, non? Oui. Attends, j'y allais du coup. Yes. Attends. Ouais, il y avait eu le message le 10, je Oui. crois. Oui, je regarde. C'est le lien. Mais du coup, faut monter. Non. Oui, non, ok. Il n'est pas livré à Human's Lab. Ah, nice. Est ici, il est au labo. Je reviens. À de suite. On est d'accord qu'aucun hélicoptère qui avait fini à la fourrière? Ouais, j'en ai pas. Comment ça se fait qu'on a autant d'argent? Bah, c'est cool. C'est quoi cette question? J'ai pas Bah oui, compris la enfin. question. Attends. Comment ça se fait On qu'on a a autant beaucoup de thunes? d'argent. Après, j'adore On possède des Ah, thunes, tant hein. mieux, hein. C'est bien l'argent, hein. C'est ça. On va s'en prendre, hein. Bah, on est à un hôpital, hein. Sorène, poste de service. Comment ça, Jess, ça de l'argent t'as changé? Ah, Oui, d'accord. désolé. Ça va, t'es Non, pas c'est ce que je malade? voulais dire. Enfin, je. Sorène, Sorène, poste de poste de service. service. Une bonne prise de service. Et merci. Oh putain. Ah non, mais j'ai tellement. On est d'accord que personne n'a fait une généreuse donation au LSMS ces derniers jours? Je crois Pas pas, de mon non. côté. Ok. Ben, t'as fixé 3 000 $, ça va pas aller loin. Oui, ça fait beaucoup. Ah, y a combien là? Bref, en vrai, je m'en fous un peu. Je pense qu'on peut dire les chiffres, mais. Dans les Il n'y a derniers jamais années, trop d'argent. enfin, Il n'y a dans jamais mes trop derniers souvenirs, on d'argent. était aux alentours de 350 000 de réserve. Et là, on est à 420. Bah après, Ah! si besoin, Quoi? tu sais, j'ai besoin de Non. 40 000 en ce moment. Non, 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 non. Attends, Tu mais par contre. sais, moi, je n'ai Oui, que 3 000 dans oui, mon compte. oui. Oui. Attends, il faut demander une petite Donation à Dante. vérification au gouvernement. La petite Ouais, sur ça, prime, sur ça. l'argent, si. C'est ça. Ouais, je vais voir que le gouvernement a l'air un bon gars là-bas. Ouais. Peut-être qu'après la secondaire. Est-ce que c'est pas hier? On a relevé tellement de gens hier. Ouais, non, là, pour relever au. Ah, c'est Ah. vrai qu'on a au moins relevé une bonne dizaine, voire une vingtaine de personnes au total.
Attends, quand on vous donne de l'argent, quand vous relevez des gens. Ouais, les subventions de l'État. Oui, en fait, les défibrillateurs ont un paiement sans contact dessus. Oh, c'est pratique, ça. Ah ouais. Pas les subventions. Si, mais je pensais pas que c'était comme ça sans contact. Mais attends, est-ce que ce serait possible? Parce que en soi, moi je suis parti avec 20 bandages, puis j'en ai récupéré 10. À la fin, il m'en restait genre 4. J'en ai utilisé une bonne dizaine aussi. Ashley aussi, Vanya. Vanya, oh, oui, là, oui, ça fait pas, oui. Ok, bah c'est bon alors. On a juste. D'accord, c'est comme ça que ça marche, HRP, let's go. Ouais, c'est pour toi. On a tellement. Bah tant mieux, hein, Yaps, pour les. Et vive le service. Les contrats et tout. Hein. Ouais, j'étais un deuxième camion de pompier. Faut faire plus de tournois de boxe. Plus en BSP. J'aurais bien, j'ai appelé monsieur Duncan. Et sur le soumettre. C'est faux. Hello, monsieur Duncan. Soren Savo. Après, on peut proposer parce qu'il y a, une tradition au Pérou. C'est plus Cusco. Ou bien en fait, c'est une battle royale. En fait, c'est plus des douanes. Mais du coup, ça se fait par rapport à Noël. Chacun, si c'est pour régler, pour s'amuser ou pour régler les comptes, et tout le monde se bat. Ça peut être une excuse. Hein. Tout le monde se bat. Si. Ah, c'est marrant, ma famille avait raconté qu'on avait la même chose, mais on a appelé ça le mur de Berlin. La chute du mur de Berlin. Et après, oui, effectivement, c'est tout se battu. Ah, c'est non. Non. C'est. Là, j'ai toujours du mal avec les noms. Le Takanakui, c'est. De quoi? Takanakui. Ah. C'est le nom de la traduction. Ok. Ah, d'accord. Vanya. C'est le jour de Noël. Du Pérou. Et je viens de Cusco. Ok. Ah. Comme dans. C'est Tintin, c'est ça? Non, il y a. Il y a une bande dessinée. Heureux. 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 J'aime bien vos pulls. Merci, bah c'est les nouveaux qui sont. Je savais pas trop si ils pouvaient aller avec. Bah. Ce sont des pulls simples, sans logo. Ouais. Bon, moi, petit Vanille, les derniers vêtements sont unisex. Ouais. Oh, perfecto. Oh, je savais pas que il y avait encore des eu de nouveaux hier soir. Ouais. Coloré. C'est bien le coloré. Il n'y a pas eu de restock. Oh, ça allait bien ça. Il y a quoi? Il n'y a pas eu de restock. Ah. Justement. Par contre, les robinets avec leur téléphone là. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça. Pourquoi tu rigoles? Le message. Ah, ok. Oui. J'ai peur. Ah merde. J'ai pas vu qu'il y avait Bird qui avait sonné. Est-ce que quelqu'un l'a recontacté ou pas? Bird, non. J'ai même pas vu. Bah, je vais le rappeler. Parce que c'est que je pense penser, je m'en suis occupé. Quelqu'un peut s'occuper de le faire? Oui, quelqu'un peut y aller.
Ouais, il a fait une hypothermie. Quelqu'un s'en est occupé. Il vaut mieux que ça soit la personne qui s'en est occupée, non? Bon, je sais bon, pas. Après, je vais m'en occuper, c'est le level, je le connais. Ok. Hop, Dante, si tu veux venir? Ah, si. Hop là. Donc, n'oublie jamais de bien prendre l'appel. Donc oui, bon, c'était une hypothermie. Toi, tant qu'il a passé les deux dernières soirées au SMS, donc en surveillance, ça devrait aller. Parce que là, on vérifie juste que qu'il arrive à bouger tous ses muscles normalement. Les signes vitaux sont bien et ça devrait aller. Ok, il faut faire attention aux extrémités quand même. Ouais. Et bonsoir, Level. Et bonsoir. Où are you? Et comment ça va? Bonsoir. Physiquement ou psychologiquement? Comment c'est physiquement? Ah, physiquement, ça va, là, ça va au top. Je peux me remouvoir de tous mes mouvements. Ah ouais? On va tester ça vite fait. Ah oui, quand même. Est-ce que tu peux alors bouger tes orteils à droite? Ouais. Ok. À droite, c'est un peu délétère, mais ouais. Ouais. Bon. À gauche aussi? Ouais. L'extrémité, c'est bien. Tu peux t'arriver à fermer le poing à droite? Allez, ouais, regarde. Hop là. Ouais. Ouais, à gauche. Ok. Hop là, là. Ça va. Pas de sensation de froid un peu gênante dans le corps? Ah non, ça va, là j'ai même chaud là. Ouais, chaud, nickel. Ah ouais. Pas de quête, avec pas toutes les couettes et tout là. Ouais, pas plus que d'habitude le matin quoi. En okay. Se réveillant, des fois c'est compliqué le réveil. Ah ouais. Ouais, je sais que vite fait ton pouls, etc. Du coup, mentalement, comment ça va? Je sais pas, yo. J'ai un doute. Ah. Parce que okay. En vrai, ça va, mais j'ai l'impression d'être le pire patron de tous les temps. Mais non. Mais ça n'a rien à voir avec ma. Bah. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant qu'il allait quitter l'entreprise et qu'il me remercie parce que c'était super de travailler avec moi. Mais je sais pas qui c'est. Ah! J'ai pas enregistré le numéro. Ah, ça, c'est un problème, vas-y. Du coup, je me sens mal. Donne-moi le numéro, je vais voir si je l'ai. 8902. J'aimerais bien savoir qui est parti de mon entreprise. Oh, Arisu. La moto. Ah, comment ça se fait que je passe son numéro? Arisu. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'elle est partie. Mm. Bizarre. Ouais. Ok. Voilà. Ok, merci. Sinon, ok. On va juste voir si ça va mentalement et tout. Ok. Alors, on va juste voir comment tu tiens debout. Ouais. Tu t'en tires délicatement. Ouais. Ok. Hop. Parfait. Nickel, hein. Est-ce que arrive à te baisser normalement? Ouais. Ouais, ça va. J'avoue, j'ai eu un peu du mal à me relever, mais en même temps. Hop. Ouais, tu te sors juste d'un lit, donc. Ouais. Ouais, voilà. Lever okay. Les bras, c'est ok. Ça a l'air bon, tu tiens. Ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Oh ouais, je pense que tu peux te rhabiller, ça a l'air d'être ok. Ah nickel. C'est pas comme ça, ok. Ouais. Bon. Bah, attention, tu peux peut-être avoir un petit rhume qui se déclare dans les prochains jours. Mais ouais, ça, ça bah. Va aller. Après, en vrai, déjà hier et tout, je sais que ça allait un peu mieux, mais j'ai préféré quand même me reposer. Dis, on sait jamais. Au moins là, je suis en pleine forme. Ah bah nickel. Là, je vais t'accompagner à l'accueil. Bon, on va t'en accompagner à l'accueil. Ah bah nickel. En plus, on me dit, il y a plein de. Oui. On me parle que dans les magasins de vêtements, il y a eu des importations. Alors, sache que Abby a déjà peut-être des idées pour Groove. Ouais, justement, elle fait partie des gens qui m'ont dit qu'elle avait déjà des tenues et tout. Voilà. Ouais, on a fait un peu de shopping hier soir. La dinguerie. C'est le mot. Eh, cassez pas tout là-bas. Ah bah oui, toi, t'as pas vu du. Deux. De quoi? Oula! Mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Incroyable! Mais ou quoi? Bonsoir! Bonsoir! On a trouvé un passage secret! Ah oui! Oh, il va essayer, comment on fait? Comment on fait? Faites attention, faites attention! Non, il est safe! Créature limite! En fait, de l'autre côté, on ne voit pas, il y a une petite trappe qui permet d'accéder au lit de l'autre côté. Know your clan. Ok. Ouah, stylé! Ouais, tour de magie. Wow. Oh, ça va être l'activité de la soirée là. Ah,
Il faudra avoir ils vendent même des morceaux de météorites. Oui. Ouais, ils vendent de tout. Hein. C'est une magicienne, Vania. Oui, c'est la meilleure. Ouah, j'ai fait tomber un truc. Oui, par contre, ça tombe pas sur moi, t'inquiète. Non, mais c'est sur il y en a partout. Ok. Tu te casses. Voilà. Vous avez bien joué ça. SMS. La boutique de souvenirs, elle est comme moi. Elle est fragile. C'est terrible d'arriver à reparler en disant ça. J'allais dire elle est très riche, mais ouais. Ah non, je suis pas riche, j'ai combien en banque, moi? Tu veux qu'on compare? J'ai 57 dollars en compte. Ah non, en banque. Ah non, oui, non. Ah oui, non, ouais, non. Oui, bien sûr, 57, y'a pas d'autres zéros derrière. Attends, j'essaie d'ouvrir la caisse. T'as acheté quoi? Attends. J'ai acheté Fur. 0, 0, 0, 0. Ok. Non, la caisse elle est vide, hein, y'a rien, y'a personne qui achète. Mais arrête de voler, Sarah, ça te regarde pas. Mais je regardais, c'est qui était le plus riche, le SMS ou la caisse? Ah, purée. Bah, nous. Alors, y'a des livres sur. Y'a des livres sur la mythologie celtique? Oui, si. Ici, je vois, ici, ok. Maintenant, j'ai envie très concrètement de me documenter dessus. Toi, tu connais, de toute façon. La celtique, non. Ah non, c'est nordique. Oui. Et sinon, aussi, si par contre, pourquoi y a des trucs du Los Santos Gun Club dans un. Y a quelqu'un qui est blessé. Ah, oui. Super boutique de souvenirs, empêche. Hein. Une jambe cassée, revenez. Oui, vraiment une armée là. Ciseaux, bloc-notes, feuilles, papier, nous vendons de tout. Venez ici, ouais, SMS. T'es un vendeur maintenant? Ah, tu sais, j'ai déjà vendu. Hein. Bon, peut-être pas aussi fort, mais. Là, c'est pas pour de l'argent, ça va. C'est du bénévolat. C'est des dons pour le SMS. On est payé, techniquement. Donc... Tu sais, mais dans mon contrat, il n'y a pas de vente de ciseaux. De... Ah oui, ciseaux. Oui, je vois. Après, je sais pas si Jessica elle serait d'accord que tu vends. C'est pas joué de l'argent. Rien. De quoi on parle ici? J'entends le moment. Ça va. Tout va bien. Ça va? Si, tout va bien. C'est bien, Mata. Tout va bien. Ouais, SMS. Non, tout va bien. Et par contre, dès qu'on entend le prénom, c'est. L'oreille, elle entend bien. Oui, c'est ça. Jo. Oui. Y a un patient qui a dit que tu t'occupais de lui. Est-ce que tu peux te occuper de lui pour son check-up? Dante, tu viens si tu veux? Si. Je vais apprendre. Yola. Par là, ok. Ok, hop. C'était il y a 2 jours. Ouais, je me rappelle. Ah, oui. Mais je me rappelle plus quoi. C'était la cheville cassée. Ah, je pense. Ah, oui. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Ah, let's go. Et pourquoi pas? Et là, pour faire du coup. Oui, ça c'est bien. Ok. Ah.
Ah oui, vous étiez tombé dans le toit, exact. Oui. Ah bah oui, entre au milieu de plein de tempêtes, c'était terrible. Oui, c'est vrai. Mais... bah écoutez, hop, je vais vous aider à retirer vos chaussures. Oui. Hop. Ok. Hop. Pourquoi j'ai ouvert une voiture? Je sais pas quelle voiture. Ok. J'ai appuyé sur les clés dans ma poche, tout va bien. Ah oui. Faites okay. Attention, apparemment, on peut ouvrir les voitures de loin. Hein. Mais ouais, je sais pas. Du coup, ouvrez pas vos ambulances. Ah, ça serait fermé, du coup. Oui. Dans le doute. Non, la sourdite aiguë. Ah. Oh oh. Ok, c'est bon. Bon, vous m'entendez? Tout est débouché les oreilles. C'est bon, nickel. Ok. Ok, mais vous avez fait quoi hier? Ah, je suis restée chez moi. Parfait. Ça doit avoir bien eu le temps de guérir, du coup. Ah bah vraiment, j'ai pas bougé, hein, parce que oui. Ok. C'est pas, c'était pas spécialement le moment de me casser quelque chose, donc du coup j'ai dit. Ok, oh, let's go. Hop, je vais prendre une petite. Ok. Oui. Allez, je vais. T'as pris une scie? Oui, une petite scie électrique. Oui. On va découper hop, le plâtre doucement. Vous voulez pas que je m'assoie? Oh, ça va. Ok. Ah, je me tiens quand même à la table parce que... Oui. Oui, me coupez pas la jambe non plus. Non. S'il vous plaît. Oui. Ok. Ok. J'ai fait le tour. Maintenant, je vais l'enlever. Hop, voilà, ça devrait faire du bien rien que de respirer un peu. Ah oui. Comment il parle un peu fort? Ah oui, ça fait frais. Voilà. Nickel. Est-ce que vous arrivez à marcher? Ok. De quoi? De fer. Pardon. Non, c'est bon. Plus rapide. Oui, oui. Mais vous savez, dans là où j'étais, il y avait... Il y avait une personne qui arrêtait pas de dire faire tout le temps, du coup on a pris le réflexe. Hein. Ah oui, oui. Ah, moi, je connais un agent de la brigade anti-feur, hein, s'il faut par contre. Ah bon? Ah ben, vous pouvez rien faire, vous n'attraperez jamais. C'est bon, vous arrivez à marcher correctement? Oui, ça va. Il va falloir que je me réhabitue à poser le pied parce que vraiment, j'ai pas du tout bougé, mais sinon, en vrai, ça a pas l'air d'une faire. Est-ce que vous arrivez à plier la cheville comme il faut, sans douleur? Oui, ça a l'air d'aller. Un peu ankylosé, mais pas de douleur particulière. Oui, c'est le fait d'avoir été immobilisé pendant deux jours, ça. Bah oui. Après, faut pas hésiter de se masser le pied. Oui, faire des petits mouvements, des petits ronds avec la cheville. Oui. Après, avec un plat, c'est compliqué, je vais pas vous mentir. Mais oui, là. Non, mais après, là. Oui. Ok. Non, mais avec le plat, c'est un peu compliqué. Oh, je vais demander à Marge de me faire des massages de pied. Ah, voilà. Il va détester. Oh. Ah. C'est mon frère. Allez, écoutez, si tout va bien, je vais vous aider à remettre vos chaussures. Oui, attendez, je vous remets votre canne parce que hop, elle m'encombre. Et oui, les chaussures. Okay. Parfait. Hop. Incroyable. Je prends la canne. Oui. Et je vais aller arranger. Vous inquiétez pas, j'ai tapé personne avec. Ah, tant mieux. Oui. Même si, quand même, ça me démangeait un peu. Ah, je comprends. C'est sacré arme, hein. Hop, ah bah, ça va seul, hein. Et puis c'est plus loin, puis ça a distance. C'est vrai, un peu comme les clubs de golf. Oui, c'est ok. On n'a pas de baseball. Je crois que le club a plus d'allonge. Mais si on arrêtait de parler de faire mal à des gens dans un hôpital. Ah mais on parlait d'allonge, voyons. Là, c'était la distance, c'est la distance. Bah oui. Voyons, il n'y a pas toujours des gens au bout des battes de baseball. Exactement. Ou des clubs de golf. Hein. Ben, au bout d'une batte de baseball, non, oui. Exactement, la balle. Voilà, c'est des balles. D'accord, bon, la balle de golf. Après, ça peut être comparé à la taille du cerveau de certains. Ah, voilà. Oh, ça, c'est bien dit, ça. Oula. J'ai vu des choses. Ça va? Doucement quand même. Oui, oui. Non, mais j'ai vu des. Oui. Ah, faut penser à boire et à se reposer, hein. Ah, oui, je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer. Oui.
Bonne soirée à vous. Et bah, bonne soirée à vous et bon courage. Oui, merci, toujours. Je monte pas sur les toits, vous inquiétez pas. Bonne soirée. Quelque chose me dit que c'est pas le cas. Souvent, on s'occupe de personnes qui ont chuté d'un toit, très souvent. Si. Si c'est pas un accident de moto, c'est un toit. Ah, si. Ouais. J'ai un bout, on n'est pas démanigé. Il m'a fait rire cette fois. Putain. De quoi? C'est Komu Eshi, je crois. Il m'a dit, vous savez, je suis membre de la main noire, on tombe des toits, nous. Oui, non, ok. Ouais. C'est parce qu'il m'a dit, à tantôt, je lui dis, bah non. Là, pour une fois. Oh là là. Je vais me fumer une cigarette vite fait, je reviens. Ça marche. Bah, du coup, une question, est-ce que je coupe la radio ou pas? Non. Si, t'es juste devant. T'es juste à côté. Ok, bah j'arrive. Non, mon téléphone. Ah, voilà. Resting of my heart, now I'm taking back life. Sing of my heart till I'm taken back. Silence pulling to your Terminator. Héros. Héros.
Du coup, les ambulances ont été récupérées à la fourrière. Ouais. Donc, juste avant que ça arrive. D'accord. Allez, 5 secondes. Oh les problèmes. Ah oui. Oh la menace. T'inquiète pas. Jessica standing menacing. Oui. Mais y a rien qui fait plus peur que... Eh, on peut parler. C'est pas ça. Je cherche à boire. Ok, vas-y. Attends, mais j'ai avec toi. J'ai besoin de toi. Mais... Et nous, on n'a pas le droit. Vous voulez dire que vous voulez quelque chose à boire et manger? Non, c'est... Ah, attends que j'ai vu la gueule. Non, c'est bon, tout va bien. Moi, je vais y aller aussi, du coup. Eh ben, moi, je fais la plainte. Oui. Je dois parler avec quelqu'un, je reviens. Ça marche. Et voilà. Tu m'entends? Si, je t'entends. Comment ça va? Ça va, et toi? Ouais. Pas vraiment passé comme prévu, le temps que je vous reporte. Terminé un truc par rapport à l'ancien contrat, mais c'est bon. Ok, ok. Tu sais quand je suis parti au Pérou? Ouais, j'avais une question, c'est de dire ça. Est-ce que t'as eu des mecs qui t'ont approché par rapport à ma vraie identité? Car je sais que quand je suis arrivé en Europe, c'est des mecs qui ont tenté de me choper et qui savaient qui j'étais. Non, honnêtement, j'étais trop préoccupé avec ce qui s'est passé avec la famille. Oh, ok. Non, mais c'est bon à savoir parce que je sais pas comment ils ont l'info. Non. Ah non, moi j'étais avec la famille. Mais c'est ok aussi si t'avais entendu des bruits courants par rapport à ça ou des trucs comme ça. Non. J'ai rien entendu. Ok. Bon, vas-y, termine ce que tu voulais dire. Je suis désolé de t'avoir coupé. Merci.
Tout ce qui s'est passé au Pérou. La famille a été attaquée. Du coup, j'ai dû aller, mais du coup, on a tout perdu. Oh putain. Et du coup, la famille se cache un petit peu en Colombie. Ok. Mais moi, je retourne ici. Pour ta famille, hésite pas à leur dire. Ok. Ah, pourtant, moi, ça fait ça. Bon, note-toi ça quelque part et continue. Dis à ta famille, donne leur adresse de. Attends. Donne leur adresse de cette bougie. C'est gracieux. Je vais envoyer un mail en fin de soirée. Je pense directement à leur boss. Leur dire de la mettre sur la protection de ma part. Si, merci. Ok, tu l'as pour toi. Mais du coup, si j'ai failli perdre Sofia, mi pequeña hermana. Attends, j'essaie de le camion, il a dit un truc à la radio, j'ai rien compris. Qu'est-ce que t'as dit? Ok, fais attention à toi. Je vois mon camion qui est en train de vendre. Ah, si. Il va en même temps pour la main noire, lui. En même temps que moi avec Mistral. Ah, ok. Et comme je disais, j'ai failli perdre Sophie, hein. Ouais. Mais j'ai réussi à faire les premiers soins. Ouais, bah c'est bien. Et je pense que ça. Je crois que ça a fait un appel à l'ami. Mais ouais. Faut venir jouer à et lui dire de les mettre sous la sécurité de ma part. Gracias. Et du coup, dis-leur d'aller là-bas. D'aller à Pessoa. À Pessoa, si. Gracias. T'inquiète, tu le prends ça. Et je pense que, je sais pas si Camilo te l'a dit. Du coup, vas-y. Tu sais que j'arrête. Ouais, bon, vas-y, t'inquiète. Non, je sais pas, tant que t'arrives, tant que tu fais ce que tu veux. Mais si, 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 si. De toute façon, j'ai prévu de rester. Au moins, même si moi je reste dans ce côté de la barrière, oublie pas que t'es quand même mon pote, un de mes meilleurs potes. Ah, si, si, non, mais j'ai dit à Camille, ouais. Donc si vous avez besoin de quelqu'un pour boire un verre, je suis toujours là, hein. Ouais, je sais pas si tu as entendu aussi, je sais pas si. Je pense pas que t'as entendu, mais je suis plus au Bénis aussi. Ah, t'es plus au Bénis? Ouais, je suis parti. Ah, mais. Je me suis mis à fond dans ce que je sais faire de mieux. Ah, ok. Si, je comprends. Bon, ça va, c'est pas trop. Y'a pas trop de boulot à SMS? Pour l'instant, non? Mais pour l'instant, je suis encore en période de décès. J'ai commencé il y a 14 jours. Oh, c'est bien. Du coup, j'observe plus qu'autre chose. Après, c'est vrai qu'en semaine, c'est un peu compliqué. Moi, je me couche tôt, comme tu le sais. Ouais. Et justement, là, on verra ce soir. On verra ce soir comment ça se passe. Apparemment, il y a des rushs, il y a plein de blessés. Ok. On verra. Mais non, moi je gère bien. Il y a beaucoup de monde quand même. La pression, même si c'est différent. Ok, ouais, bah t'inquiète. De toute façon, si c'est toi, tu vas y arriver. Si. Mais je m'adapte. Parle de toi quand même. Si, évidemment. Mais ouais, moi je vais aller vendre après, me faire un peu des wifi. C'est que je suis en train de voir un peu ce que je compte faire. Vu qu'avec Camilo on va tous les deux. Et après j'ai d'autres amis qui vont faire des sup, j'ai d'autres amis à moi qui font des sup et je vais faire des sup avec eux aussi. Ok.
Ouais, je vais pas te déranger plus longtemps, moi je Non, vais. ça suffit. Vas-y, Ouais. vas-y, t'inquiète. C'est un Fais cadeau Carla qui est attention à Milo toi. avec la main noire, donc c'est un peu calme sur la radio pour l'instant. Ok. Bah, Ok, fais attention à attention à toi. toi et toi aussi. Après, comme d'hab, si t'as besoin d'infos, des trucs comme ça, n'hésite pas à me demander. Ok, merci beaucoup. Allez, fais attention à Allez, toi. à toi aussi. Et je reviens. Si, Comme franchement. on a avoir, non. Ah oui, ça c'est sûr. Je viens de tomber dans le toit. Quoi? Ah! Attends, c'est Qu'est-ce que vrai? t'as fait? Mais non, j'ai rien Dumpster? fait! J'ai rien Ah putain, fait! il a fait un coup de patience. Vas-y! Merde. Vas-y! Ah, j'ai Je vous ai peur. fait toute Merde. s'aligner là comme ça! Il y a aucun monde où Je tu suis un passes pour un gros con. con, mais Ma Mais fille. non, mais Peut-être. bonsoir. Et Bonsoir. hola! Bonsoir! Oui. J'ai honte. Mais non, vas-y. Si tu veux, je parle à ta place, c'était trop honte. Dites-nous, Ok, je vais qu'est-ce qui parler se à sa passe? place. Il a On mangé un écoute. taco de coyote. Il a quoi? Hein? Non, Il a mangé du coyote, il a mal au bide, du Alors, coup, ça fait Vania, ça très longtemps Ah! qu'il a mangé. J'emmène Vania. Viens avec Oui, moi, ça viens va, avec occupe-toi de moi. Vania, s'il te plaît. Ah! Viens avec moi. Oula, c'était peut-être un peu sensible. Oh, vous inquiétez pas, oui, on va Ah, peut-être en j'ai parler honte, ailleurs. laisse-moi, Mauvais souvenir, ok, Non, d'accord. attends, je te prends par le Oui. bras. Je vais aller tout doucement. Allez, Zika, je peux Du coup, réessayer. écoute. Ouais, Il y a un petit PayPal bah, là, depuis tout à l'heure, ouais, c'est j'ai mal au inquiétant. ventre, genre, je vois bien. Et j'ai chaud. Voilà. Donc, Ah, c'est ok. Donc, Coyote? Un vrai pot coyote. Mais je sais Ok. pas, j'ai goûté. Suivez-moi, s'il vous plaît. Apparemment, il y avait des poils et du cendre, des cendres, mais tranquille. Oui, Je veux pas les. des os. Courageant. Merci. Suivez-moi. C'est tout. Est-ce que vous avez vos Moi, je vaccins à reste à jour? juste squatter parce que j'ai faim. Ouais. La rage, par J'imagine, ouais. exemple? Ouais, je pense. Après, il était cuit le coyote, hein. Ah, bah. Il a été cuit au brasero. Il était vraiment bien cuit. Ok. Mais ouais, c'est vraiment dégueulasse. Je vous conseille pas de manger ça. Alors, Waouh. moi, ce que je vous conseille, c'est de garder les toilettes en vous. Hein? Les toilettes, gardez-les en Les. vous. Dans la Ouais. ligne. Si. Oh, ok. Alors, je vais vous demander de retirer votre eau et Ouais, de je vous suis langer chaud. sur la table. Dante, tu peux me chercher une bassine au cas où à Ouais, s'il côté. te plaît. À côté, si. Oui, merci. À qui? De quoi? À qui? Oui. Bah, Ok, ça je c'est mets pas la loin. bassine de Merci. ce côté à votre droite. Votre droite. Alors, je vais juste palper vite fait votre estomac pour voir. Oh. Ah, je vais essayer d'aller doucement. Ouais. Est-ce que si j'appuie vers le bas Oh, ici, ça vous fait je plus tire mal? les sa mère. Ok. Non. Alors, je vous rappelle à votre droite si besoin. Donc, C'est qui? au bas du ventre, est-ce que ça vous fait mal? En soi, j'ai pas mal quand vous appuyez, j'ai surtout beaucoup la nausée. Ok. Si j'avais un peu plus vers le haut de l'estomac. Ah oh, ouais, appuyez pas là. Là. Appuyez pas Ok. là. Et si je remonte un peu encore ici. C'est ok, j'imagine. Ok. Bon, je pense que c'est les intestins qui ont pris, pas l'estomac. C'est bon signe ou Alors. je vais mourir? Non, vous allez pas mourir, vous inquiétez Je pense pas. surtout que vous allez tout recracher. Ouais, c'est possible. Ah. Je vais prendre votre bout. Est-ce que vous savez si votre coyote a récemment visité des pays d'Asie du Sud-Est? Mon coyote? Oui, Ah, je crois coyote. qu'il a toujours vécu sur l'île, le coyote. Ok, ça va alors. Et il a un peu Bien. voyagé dans un coffre aussi. Ah, c'est vous qui Apparemment. avez un coyote dans le Non, c'est coffre? pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, voilà, non, moi je fais pas ça. Moi, on m'a juste dit, j'ai un coyote, j'ai dit c'est dégueulasse, on m'a dit t'as jamais goûté, et du coup j'ai goûté. Ok. J'aurais pas dû. C'est des expériences, on apprend. Bah Attendez, le coyote ouais, mais était je dans le regrette un coffre peu. depuis combien de jours? Hein? Le coyote était dans le coffre depuis combien de jours, vous savez? Au moins depuis hier. Hier, on est d'accord que Au moins depuis hier. le coffre n'était pas réfrigéré. Je pense pas, non.
Alors, petit conseil aussi, on vous conseille de goûter un animal qui est resté dans un coffre de plus de... qui n'a pas été récemment chassé. N'en oui. mangez pas. Ouais. Non, enfin, c'est de la mouette pour un autre coup. Hein. Alors. Alors, la mouette, ça mange que des merdes, hein, donc je vous conseille pas. Oh là là. Ouais, j'ai pas l'impression que votre foie est enflé, c'est bon signe. Bon. Alors. Il y a deux options. Ouais. Soit on fait l'option rapide, très désagréable, du lavement d'estomac. Ouais, non. Soit on fait l'option qui va être un peu plus dans la durée, ça va pas être, ça va être un peu plus désagréable. On va vous donner des médicaments, les antibiologiques assez forts. C'est des médicaments qui calment un peu l'estomac, mais... ouais, vous allez... être les chutes du Niagara, quoi. Par où les chutes du Niagara? Ouais, par où, ouais. Oh, en bas. Vous voulez vraiment que je réponde à la question? Ah oui. Ah bah, je veux être au... Et il faut prévenir les patients, plus non par en... Plus par en bas, ouais. Ah, oh, putain. J'ai failli dire oh, merde, mais... Ouais, non, non. Bah, ça aurait été... Mais à moi, vous serez assis. Hein. Ah. Ouais, mais je travaille, moi. Est-ce que vous avez votre vaccin un jour contre l'hépatite B? Bah, j'imagine, ouais. Ah, je... Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est pas en qui j'ai ça. Est-ce que vous avez votre, votre vaccin un jour pour le... les grippes aviaires? J'imagine. Je vous avoue que j'en sais rien, c'est mes parents qui géraient ça. Bon, je vais rajouter un antibiotique plus fort. Je suis encore plus chier. Ah non, non, ça c'est juste... Comme ça, ça va... Comment dire, désinfecter, quoi. Ok. Je vais chercher les médocs, j'arrive. Okay. Après, je pense que vous allez en chier, mais pas littéralement. Oh. Enfin, ils en seront là, les deux. Oh. Après, sinon, vous savez, je sais que moi, dans ma famille, c'était les deux doigts dans la bouche. Ouais. C'est une question de facilité. Est-ce que ça marcherait vraiment? Alors, ça parce qu'en vrai, je suis à deux doigts de le faire, là, je commence à douiller. Ah, est-ce que me faire vomir, ça marcherait? Bah, c'est une sorte de lavement d'estomac, mais... Ouais, mais pas... Ouais. Je préfère éviter parce que vous avez déjà un intestin bien... qui m'a l'air bien chamboulé, déjà. Bah, je vais vous demander de vous relever pour prendre les médicaments, si ça vous va. Alors déjà, vous allez me prendre tout de suite un antibiotique et un dégage tout. J'ai un bouton qui commence à pousser. Parfait. C'est le dégage tout qui va me donner la chiasse. Ah oui. Oh. Je vais le prendre maintenant. Ouais. Mais oh. Il fera effet dans une à deux heures à peu près. Ok. Nickel. Ensuite, je vais vous donner... deux antibiotiques, un que vous allez prendre en allant vous coucher hier demain matin. Ok. Et un autre gâteau que vous allez prendre demain matin avec un grand verre d'eau fraîche. Ok. Juste avant de manger le petit-déj ou quoi. Ouais, ça marche. Et du coup, restez dans l'heure qui suit proche d'un toilette. Là, c'est dans l'heure qui suit là? Non, non, demain matin. Ah oui, ok, 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 ça marche, ok. Ok. Bon, après éviter de faire des montagnes ou ça. Oui. Bah, je fais des CP. Et on va. Je crois que c'est ok ce soir. Est-ce que je voulais que je donne une réserve de sac au cas où? Ouais. Ok. S'il vous plaît. Hop. Voilà. Tenez. Hop là. Merci. Là, il y a une dizaine là, donc il faudrait le tirer. Ok, merci. Et ouais. Si vous sentez que ça continue à pas être bien, au contraire, il y a beaucoup de trucs qui sortent, n'hésitez pas à revenir, voilà. Ok, c'est noté, merci. Ah. Et si vous avez besoin de faire le numéro 2 et que vous êtes dans un buisson, n'utilisez pas les feuilles pour vous essouiller. Parce que vous risquez de vous irriter. Justement, les sacs, ils sont pratiques pour ça, ils sont très... Okay. Double fonction aussi, il faut. Oh, ok, ça me dégoûte, ok.
Ouais. Sinon vous achetez du papier toilette et vous les gardez à côté. Ouais, bien. Ouais, Est-ce que vous êtes vacciné contre la chikungunya? Vous souhaitez? Ça devrait aller. Hop, je raccompagne à l'accueil. Sûr, je vais pas mourir. Ah non, ne t'inquiète pas. Vous allez juste avoir bien mal au ventre pendant. Ah ouais, ça j'ai compris ça déjà. Ah putain, monsieur Duncan, il m'a pris pour un con quand on l'a arrêté que j'avais envie de gerber. Je passe pour vraiment te. Non, mais non, ça arrive. Ah, déjà. Ah oui, l'indigestion, ça arrive. Ouais, il faut en coyote quand même. Ouais, moi un jour j'ai mangé, j'ai bu de la vodka qui avait 20 ans d'âge. Ah, ça doit. C'est un combat. Ouais, j'imagine. Ouais, salut. Alors, yep. Pas, il va s'en sortir. Ok, il est pas mort. Évité. Encore. Okay. Je crois que le pire est l'avenir de ce que j'ai compris. Juste penser à protéger les sièges des véhicules. Ne vous inquiétez pas, j'ai des sacs. Vous avez pensé aux couches aussi? Il y a des couches pour l'adulte. Hein. Ah, des couches, je suis pas un vieux. Je passe, ils en vont. Bah, temporairement. Non, 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 je veux pas découcher, c'est mort, j'ai 18 ans. Vous savez, ma pequeña hermana, elle utilise ça quand elle avait ses règles. Mais c'est pas la même chose, j'ai pas mes règles. Oui, là, c'est surtout ouais, un problème plus explosif, mais tranquille. Littéralement, ouais, je crois. Après, c'est juste temporaire, donc voilà. Après, au pire, on met en place un code de type, tu sais, genre si vraiment il y a un truc qui va arriver, je saute de la voiture en route et je te laisse. Mais j'ai des sacs. Je peux vomir dans les sacs. Se démerder au sens littéral. Oui, oui. Oui, non, ouais, non. Sinon, tu portes un pantalon marron. Et comme ça, on va après, noir, en vrai, c'est bien noir, aussi. Ça devrait aller. Mais les sacs, tu sais quoi, on va les mettre à l'avant, histoire d'être sûr, et puis ça devrait bien se passer. Je ferai pas trop de virage. T'inquiète, si on fait des étangs, on n'est pas dans la merde. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Alors, littéralement. C'est ok. Ouais. Yes. Bah écoutez, merci beaucoup de vous être occupé de lui. Ouais, merci. Oui. Ouais. Et désolé. Hein. Je vais beaucoup d'eau aussi. Et bon courage aussi. Ok, ouais. Merci. Bon courage. Okay. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, fais clair. C'est moi ou leur uniforme a changé? J'ai l'impression, hein. Je sais pas. Aucune idée. C'est, bien, c'est bon, tout le monde est parti. Oh là, il n'y a pas vous, Vania. Comment tout ça? Tout va bien. Il commence à faire des tacos de... Il commence à faire des tacos de coyote. Non, t'inquiète pas. Je l'ai prédit. Après, ça va être pire. Après, ils vont commencer à manger les gens parce qu'ils vont les prendre pour des coyotes. Non, mais non, c'est Vania. Je crois qu'il avait parlé de goûter une mouette. Ah, il s'appelait comment déjà? J'ai oublié de demander son prénom. Tiens. Samuel Coleman, je crois. De quoi? Samuel Coleman. Samuel... Ah oui, Samuel Coleman, c'est bon. En fait. Alors. Je lui fais passer son pépère. Les gens, ils ont pas d'âme. Les gens, ils ont pas d'âme. Et pour qui? Après... On est à cause de coyote, là. Alors, pour le coup, je pense qu'il va plus jamais en manger après ça. Oui, non, mais oui, lui, encore, lui en plus, c'est pire. Imagine un jour, les gens que j'avais croisés, ils vont me forcer à manger des tacos de coyote. Mais non, t'en fais pas. Celui qui en tire à la première bouchée, je pense. Fort. De toute façon, la personne qui propose de manger les tacos ne sait pas d'où vient, au pire tu mets une patate et puis basta. Alors mais non, je vais pas commencer à péter les gens. Et pourquoi pas? Bof. Pas envie de mettre des patates gratuites aux gens. Juste dire non, c'est bien quand même. Si, mais aussi ils comprennent pas les noms. Au bout d'un moment, ils comprendront. Oui, non mais, non oui, non oui, mais s'ils disent pas oui, bah disons que oui. Si je dis non et qu'ils disent non, non, mange-le, bah ouais, je vais être en mode bonsoir, non. Et ouais.
Ah oui, j'ai un peu déjà ta sœur. Hein. Faux. Pourquoi vous êtes tous autour de moi là? Bah écoute, on parce qu'on va te sacrifier au dieu du OLSMS. C'est ça. Ah, qu'est-ce que. Oui. Ah oh, oui, j'ai gagné 10 cm. Joe, il a fait un compliment, il a même pas répondu sur elle. Oh, j'entends plus Cassiane d'ici. Ah, maintenant vous en bougez le plus les uns des autres. Dommage. Y'a quoi ton compliment, Joe? J'ai rien dit. Ah soudainement, dis rien. Hein. T'as dit pourquoi tout le monde est autour de moi, j'ai dit parce que tu es le centre du monde. Ah, merci, Joe. Non. Mais tu as raison. Vania. Non, tu as raison, Vania. C'est mon centre du monde, là. Tu me fâchais. La jalousie, là. Non. C'est tout. Je rigole, bien sûr. Vu que celle qui est passée, je t'ai pu lui donner ses lunettes. La midi. Quoi? Vu que c'est elle là, qui vient de passer, t'as pu lui donner ses lunettes? Oui, oui. Ok. Et d'ailleurs, il faut que je mette à jour les ressources. J'ai déjà faim. Je vais te vendre 2,46 et 9 euros time. Je pourrais dire qu'il n'a pas se passé grand chose ce soir. Moi j'ai un mauvais pressentiment. Cassiane a dit aussi Ward hein, tout à l'heure. Oh, oh, non mais arrêtez tout, comment ça dénonce mauvais pressentiment. Moi j'ai dit que j'avais un mauvais pressentiment. D'ailleurs, il y a la météo sur le Weasel, mais ils disent pas la date de quand. Ça, c'est des prévisions. Bientôt, j'espère très bientôt quand même. Oui, j'espère bientôt. Nique la neige. Oui et non. Surtout que maintenant, il y a plein de nouvelles tenues qu'on peut mettre. Oui, pour la neige. Oui, ça part, oui. Mais ça, c'est cool. De toute façon, moi, je suis sûr que j'aurai chaud, donc évidemment, l'hiver prochain. Oui, et puis il y a Jessica, t'avais réussi. Jessica, t'avais réussi à faire taire le bordeur d'hiver, là. Pas ouf les rafales. Non, comme pour un gros mais.
Mais rien ne vaut. Le fait zéro. J'ai soif. Pensez à manger et à boire. J'ai envie de dire quelque chose, mais on va me taper. Vas-y. C'est trop calme. Ah, c'est... Oui. Non. Non mais de toute façon, le 6 mois a déjà été dit, plus va être un mauvais pressentiment, c'est sûr, il se passe une merde ce soir. Mais ça évidemment, ça sera après que je prête à fin de service. Pour la peine, je resterai jusqu'à 4 heures. Oh, let's go, merci. Oh, purée. Merci pour ta dévotion. Est-ce que tu as abordé tous les habitants de la ville pour être sûr qu'ils soient bien endormis? Il va passer dans toute la maison et il va assommer tout le monde. Je vais remettre mon Père Noël. Père Noël. Moi, il y a quelqu'un comme le jeu qui rentre chez moi, désolé, mais je le tase, hein. Il y a quelqu'un qui tout court qui rentre chez moi, je le tase, oui. Merci, parce que comme Jo, je sais pas pourquoi. Mais... En plus, il est quelqu'un comme lui. Moi. En plus, c'est mon voisin le plus direct. C'est terrible. Un jour, il va se tromper d'appartement. Bon, t'inquiète que je ferme bien la clé ma porte le soir. J'ai une question. Mmh. Est-ce que le YN, celle qu'il y a eu sur Twitter, c'est pas Ion Clark qui a oublié certaines voyelles? Pas certaines lettres tout court. Pas en vrai. Parce que en vrai. Typiquement le genre de pseudo que Yann serait capable de mettre. C'est pas très discret, hein. Mais Yann n'est pas quelqu'un de discret. En plus, il n'y a pas de profil, lui qui a toujours la flemme de tout. Je pense que même déjà faire le compte Twitter, ça l'a saoulé. Beaucoup, hein. Ah, ça l'a saoulé. Et c'est qui ce Yann? C'est le patron de groupe 6. L'ex-patron! En vrai, c'est comme moi, j'ai la flemme de mettre une photo de profil. Et moi, j'avais pas mis de photo de profil jusqu'à ce soir. C'est quoi ta photo de profil? Un lama. Ah, c'est toi le lama? Emperador, si. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Non, j'ai des bouts de noix de coco. On sait. Au secours. Sur Twitter IRL.
Ah, le boulot. Ah, le PDF. Ah, le boulot de fou la fou. Chichon. Alors, j'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Hein. On est beaucoup en plus. C'est très calme. Oh, le con, ça arrête le tir. Ah, mais faut casser la boucle là. Calme, 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 calme. On va dire calme trois fois devant le miroir. Ah, purée. Mais attends, j'ai mieux. C'est tranquille. Il a dit fort en plus. Je l'ai dit ouais. Devant le miroir. Iris m'a dit que si tu dis trois fois calme devant le miroir, il y a Tom Balaska qui apparaît. C'est qui? Apparemment, c'est un gars qui avait pris en otage un médecin dans le SMS. Ah bah c'est super ça. Voilà. Bravo Soren. Toujours les bonnes idées. Soren les bons tuyaux. Soren les bons tuyaux. C'est ça. Bon, ça me termine parce que vraiment quand j'en ai parlé avec Iris, quand on a fait le passage, je lui ai demandé bah, est-ce que j'ai des trucs à savoir importants qui sont passés, etc. Elle m'a juste dit Atom Banaska. J'ai retenu que ça. Atom Banaska, point. Franchement, désolé, mais le bug, il me fait juste rire avec son prénom. Hein. Atom. Atom, non. C'est qui Atom? Atom Banaska. Bah, je sais pas. Ah, oui. Une personne qui a pris en otage un médecin un jour. Ah, je suis pas d'accord. Et ça, c'est... Ouais. J'en sais pas plus. Mais ça se transmet de directrice en directrice. La tradition. La tradition. Ah, les cheveux rouges. Ah bah du coup on sait que Fanny sera jamais une directrice. Soren. Oui. Rappelle-toi de ma couleur naturelle. Allez, t'es pas rouge. Ouais, je suis une rousse quoi. Ah mais c'est pas rouge. Moi je suis aussi un de police. Bienvenue de dans très cette très ville. Très loin. Très très loin. Ah mais tu les entends pas autant, c'est pour ça. Très très loin parce qu'en fait on est en train de braquer G6. Mince. Mince. Pitié non. Un petit LSPD à LSMS là. J'aurais voulu juste appuyer brièvement sur ma radio pour mettre le coup de pression. J'aurais sursauté pour premier degré. D'ailleurs, je vais vraiment faire la blague. Ah là, on va recevoir un call à l'SMS, à Speedy à l'SMS. Un jour, ça va vraiment avoir un call juste après. Au jour-là, je démissionnerai. Ah non. Attendez, maintenant que j'y pense, j'ai pas demandé vos pronoms. Ou pas à tout le monde. Bah les couilles. À la même équipe. De quoi? Tu prends tous les pronoms. Ah. Oui, c'est ça. Moi, c'est elle. Non. Ok. Bon, le pronom masculin. Ouais. Il lui. Oui, non, masculin, non. Ok. Iliel. Iliel, ok, perfecto. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que nous avons un trombinoscope Discord où chacun peut mettre sa photo et indiquer ses pronoms. J'ai la flemme de mettre ma photo. Mettre des nudes en tant que photo, ça serait bien quand même.
Quoi? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Après, c'est la bonne humeur, ça. Je préfère. Après, c'est l'anatomie, hein. Dans le domaine médical. Quoi? Regarde-moi. Non! Eh, concentre-toi des photos, hein. Il a dit non, je l'ai pas prise. C'est moi ou il fait un peu chaud là. Putain, le chauffage à... Mais le chauffage à combien ici? Mais il fait tout le temps chaud. Il fait chaud, oui. Merci. Non, Soren, toi t'es fait à la. Non. Ah, bon, bon. Elle SMS, elle écoute. Ah, oui, d'accord. Nickel. Je peux y aller. Je lui dis quoi, mon mauvais pressentiment? Je suis prêt à partir. Oh. Ok. On se tient prêt à partir quand vous nous donnez le signal. Oui, ça va, tu peux y aller. Ouais. Qui se sent d'y aller? Des quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, est-ce que t'as la radio 5? Et nous? Voilà. Ah, il faut mettre la radio 5. Ah, il faut du coup, je cherchais deux Kevlar, du coup, bah. Ouais. Okay. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'ai envie d'y aller. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Je vais y aller avec toi. Ouais, let's go, c'est fatal qu'on s'est pas trouvé tué dans un gros truc en portant un jet pas mal. Bah, du coup, tu me prends un GPV si tu veux. Et du coup, il y a une prise d'otage actuellement. Un braquage de bijoux très putain. Ah, d'accord, d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la radio 5. Je sais plus comment on fait, mince. Tout va bien? Ouais, c'est ce que j'étais en train de mettre à jour le trombinoscope. Je crois que c'était toi, Jo, qui m'avait expliqué comment on fait pour retirer une ligne vierge. Attends, je vais t'aider si tu veux. Ouais. Du coup, Soren et Vania, on va se changer pour avant d'aller à la dernière APR. Ah, c'est bon. Nickel. C'est bon, c'est fait. Et Richard, c'est quand qu'il avait prévu de partir du coup? Il part le 16. Ok. Ok. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle victoire. De quoi? De victoire. Ah oui, victoire, oui. Ah oui, c'est vrai. Moi je vais prendre ma fin de service du coup. Ok. Et bonne fin de service. Okay, bonne fin de service. Ma fin de merci. Service. Bonne soirée. Cassian, fin de service. Et bonne fin de service. Bonne fin de service. Bonne fin de service. Je vais aux toilettes, je reviens. Ça marche. Si, allô, merci. Qu'est-ce qui se passe? Au cas où, si t'arrives à savoir. Est-ce que vous voulez juste nous envoyer un point sur notre messagerie, s'il vous plaît? J'ai Camilo qui me... J'ai pas de nouvelles de Camilo depuis 15 minutes. On sache où se passer.
Ah. Dites-le par radio, par message. Beaucoup. Donc, au cas où, si tu sais, si tu le sais par radio du SMS, est-ce que tu peux en prévenir s'il a été pris en otage? S'il est en tes contacts d'urgence, je suis pas dedans. Je crois qu'il a oublié de le faire. Le connaissant. Ah ben malheureusement, il a envoyé le SMS. Je sais pas si j'aurai le temps de le dire. Hein. Ouais, bah au moins juste pour savoir parce que là, ça... Puis même. J'ai ok, je te dirai pas plus d'informations, pero. Ouais. Pero si 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 si. Si dans les otages ou pas. Ah ok ok. Merci, merci Dante. Je tiendrai au courant. Allez, prends soin de toi. Et l'SMS s'est bien reçu, on arrive. Très bien, merci. Ça se passe bien tes premiers jours au SMS, toi? Ah, oh, si. J'observe pour un instant. Pas mal. Après, c'est vrai que les derniers jours, je restais pas longtemps. Oui. Et que le vendredi et le samedi soir. Mais pour l'instant, ça va bien. T'inquiète pas. La question, on sera tenu au courant des otages? Alors, vu qu'il y a des médecins sur place, en soi, eux, ils seront tenus au courant. On ne sera pas forcément tenu au courant par radio. Et après... Il est possible que ce soit Level French qui soit à l'otage. Voilà. Après, on a les infos ailleurs, ou alors ils viennent ici après. Tenez le droit de... si vous confirmez ou pas. Yes. Parce que... J'ai une amie qui n'a pas de... Qui n'a pas de nouvelles de mon ami, vous aussi? Oui. C'est ça, et c'est les dans ses contacts en cas d'urgence pour le VL, donc... Pero je crois que je suis le seul dans ces listes de contacts, donc je sais pas si je peux prévenir Amiga. De quoi? Je soupçonne qu'il y a un amigo en commun, oui, qui a été pris en otage, parce que ça fait un moment qu'il donne pas de nouvelles à mi Amiga. Qui c'est? C'est mi Amiga ou El Robin? Robin, c'est Camilo Rivera. Oui. C'est petit, t'es très du blondin, la pauvreté. Et Miga, c'est Cherry, mais je sais qu'elle n'est pas dans ses listes de contacts. Oui. De toute façon, toi, tu es dans ses listes de contacts pour Camilo. Si. Tous les cas, tu seras tenu au courant. Pero j'ai le droit de dire juste que il va bien. Bah, en soi, techniquement, hors cas exceptionnel, donc on précise, mais à partir du moment où on donne l'information au contact en cas d'urgence, il a décidé de comment l'information doit être partagée. Ah, ok. Sauf dans les cas où... Ah non, c'est juste pour qu'elle soit tenue au courant, oui, en fait. Sauf dans les cas où la personne en question est en danger, il ne faut pas que ça s'ébruite ou quoi. Mais non, ce serait seulement pareil. Et du coup, il y a
y a Big et Primrose qui va venir parce qu'elle est avec Level et la plus nouvelle, donc je pense que j'ai pris un otage et elle sent trop bien, donc Ok, mais la psy elle est là-bas. De quoi? Non, non, la psy va venir ici. Quoi? T'as dit que quelqu'un est allé venir? Oui, Abby. Parce que son collègue, Level Brush, est peut-être pris en otage et elle se sent pas trop bien. Et là voilà. Oui. Parce que je disais, du coup, Vania est là-bas. Oui. Salut. Oui, Vania est là-bas, oui. Oui. Comment tu te sens? Je sais pas. Au sérieux. Ouais, j'imagine. Je vais te poser dans un canapé ou quoi? Je reste juste devant. Alors, du coup, il n'y a qu'un seul otage. Et alors, prenez soin de Dante quand je vais dire le nom, parce que c'est quelqu'un qui est dans ses contacts, enfin dans les contacts d'urgence de Dante. Et c'est Camillo. Du coup, il n'y a que lui. Oui. Ça va? Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas un message rouge aussi? En véhicule personnel. Comment ça? Un message.
trail rouge. Moi non. Non. Parce que les. Enfin, il y a ce véhicule-là sur les braqueurs et les braqueurs et les speedies demandaient si c'était un médecin. Mais on a dit que non, que le véhicule nous disait rien du tout. Ok, étrange. Resting on my heart, so I'm taking back. Comment ça se passe de votre côté à la bijouterie? Tu veux répéter s'il te plaît? Comment ça se passe de votre côté? Tout va bien parce que là pour l'instant on attend. Ok. Oui, j'ai la confirmation que quelqu'un nous suit et que tout se passe bien.
Les CP vont bientôt commencer, on va bientôt récupérer le tâche. Les SMS, vous êtes où? On est juste à côté. Oui, désolé. Pas de soucis. Comment ça va, Dante? Bon, ça va. Ça oui. va. Il a fait le con, il a pas fait attention. Du coup, la prise d'otage est terminée, mais on accompagne l'otage pour le rassurer. Enfin, on le ramènera pas au LSMS. C'est compliqué. Ça restera un message si tu veux, jusqu'à. Ouais, je suis bien, si possible. Okay, qu'est-ce qu'il avait aux conneries, lui? Oh, mais attends, tu peux lui demander directement, je pense que... Elle a peut-être pas son téléphone, je ne sais pas. Je pense pas pour l'instant, mais... Je vais lui envoyer. Maintenant, il faut plus que payer pour espérer que la course poursuite se passe bien. En vrai, on va revenir de toute façon. Mais j'allais dire peut-être sortir une deuxième ambulance, mais... Ouais, je vais en sortir une quand même encore. Ça marche. Oh, ok.
On revient le SMS sans passion du coup. Sans passion. Ouais. Ok, reçu. Et vous pouvez dire la raison pour qui? On arrive. Ok, ok. Oui, ils ont dit qu'ils raccompagnaient la personne chez lui. Ou chez lui, ou je sais pas où. Oui, bon, c'est un peu lunaire. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a vu l'otage, on l'a plus rassuré sur le fait qu'il avait oublié de donner à manger à son chien et qu'il voulait rentrer chez lui et qu'il avait peur que son chien meure. Du coup, on l'a rassuré. Et là, en fait, on l'a emmené dans une supérette pour qu'il aille acheter des croquettes pour son chien. Et on lui a demandé s'il voulait qu'on le ramène au LSMS. Il a dit non, merci, je pense que ça ira. Voilà. Moi, ça m'étonne pas de me ramener. Ok. Comme Soren me disait, il avait l'air plus inquiet pour son chien que pour lui-même. Ah oui, oui, clairement. À partir de là. Du coup, j'espère que ça t'a pas trop inquiété dans tes. Après, je savais pas qu'il avait une peur. Qu'il avait? Un chien. Ah. Tu vas venir quand je demande de m'apprendre l'espagnol. Tout à l'heure, Soren m'a dit Vania, j'aimerais bien que tu m'apprennes le mexicain. Allez, fin de service. Hein. C'est mignon, mais ouais, c'est. Mais ouais, ouais, ouais. Oui, il y a une histoire bizarre de, je sais pas, ils avaient utilisé un MESA pour bloquer l'avant de la bijouterie comme un peu tout le monde le font. Et t'as les flics et braqueurs qui nous demandaient si on connaissait un médecin qui avait ce véhicule-là. Enfin, en gros, ils partaient sur la base que c'était un médecin le véhicule. Enfin, je sais pas, j'ai pas bien compris, j'aurais dit on sait pas. Ils l'ont piqué sur le parking du LSMS ou... Je sais, hop. Oula. Vous voulez peut-être vous en occuper comme ça, si jamais nous on a des beepers, ouais. des CP, ouais. On a toujours le... C'est Frank Duncan en plus, il doit encore être pas bien après les coups d'hier. Je lui réponds. Non, il écrit il y a une quinzaine de minutes. Ouais, mais c'est l'après d'hier, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en plus, ça doit... Ouais, on va y aller. Ouais. J'ai pas accompagné. Oui, tu peux. Voilà, on attend la position et on y va. C'est perfecto. Et moi, je vais aller méditer un peu. Okay. Bonne méditation. Je veux te dire bonne méditation, je joue. Let's go, on y va. Pour ça, je fais un call radio pour dire YSPD qui nous confirme quand les courses poursuites sont terminées. Ouais, je suis bien. SMS à YSPD. Oui, est-ce qu'on peut avoir la confirmation quand les courses poursuites auront terminé d'ici là? Ah. C'est ok. Ok, c'est bon, c'est pour savoir si on pouvait retirer déjà nous. J'étais par là. Merci beaucoup. Ça marche, merci à vous. Ok. Bah, du coup, c'est. On va pas les déposer, hein. Ah bah, ça a été expéditif.
vu que ce trouble a pris un coup à la tête, pardon, une commotion cérébrale. Ah, si. Dans ce cas-là, pour tout ce qui est, on va dire, gros accident au niveau de la tête, c'est mieux de, si y a opération, d'opérer à deux, quoi. Ah, ok, ok. C'est toujours délicat, ce genre d'opération. Et voilà. Et bonsoir, monsieur Duncan. Alors. Seigneur Duncan. Oui. Comment vous sentez? Ça bourdonne très fort dans la tête. Ouais. Par rapport à un coup que vous avez pris tout à l'heure ou. Je pense. Alors, déjà oui. Et en plus, hier soir. Ouais. On va vous emmener au LSMS sur une petite IRM, ça vous va? Ouais, je veux bien. Est-ce que vous sentez le marché ou vous voulez qu'on vous emmène jusqu'à... Ça devrait le faire. Ok, dans ce cas-là, c'est... Côté. Ouais, c'est doucement. Hop, et la puerta. Voilà, faites attention. Attachez la cintura. Hop. Et on est parti. Donc vous avez la vision qui se trouve en plus. Oui. Ok. C'est que depuis ce soir ou vous avez déjà un peu mal à la tête depuis hier soir? Oui, hier soir j'avais un peu mal à la tête, mais c'est passé tout seul. Ok. C'était les bleus et puis le petit vol plané que j'ai fait. Sinon, le problème c'est que j'étais en train de faire des cocktails et un gars un peu plus fort que moi m'a un peu mal pris. Ah, ouais, ce genre de gars, ok. J'ai pris un hypercut. Ça va. On va aller vérifier qu'il n'y a pas de commotion cérébrale. Jamais. Hop. Ok, attention. Est-ce que vous sentez de marcher? Ouais, ça marche. Ça va aller pour marcher jusqu'en haut. Ok. Je vais rester à côté de lui, de toute façon. Oui. Si vous sentez d'autres symptômes, vous le dites. Non, Lia. Et je me mettais sur le côté pour vous laisser passer. Remonter. Je vais vous demander de mettre tout objet métallique dans la boîte. Téléphone, radio. Ouais. Et retirez votre écharpe pour plus de confort. Voilà. On réessayera. Hop, posez ça là-bas.
coup, vous pouvez vous allonger sur la table. Ok. Parfait. Donc, je lance la machine. Ça va faire peut-être un peu impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Ça va être rapide. Ok. Hop, on revient. Alors, l'IRM. Hop. Donc, tu connectes à l'ordinateur. Donc, identifiant, mot de passe. Ouais. Et à partir de là, tu lances la machine. Alors, tu préviens toujours, tu allumes le micro. Alors, oui, Franck, nous allons lancer la machine. Ne bougez pas, ne vous inquiétez pas. Et on lance. Et du. Et on regarde les résultats et on revient vers vous. Alors parfois ça fait un bruit de vent, parfois ça fait un bruit plus mécanique. La machine est un peu étrange, hein. On s'adapte. Après on regarde comment ça se passe dans le cerveau. Donc là tu vois, cerveau basique, hein. Et tu remarques ici une masse, tu vois. Ah si. Qui détache largement. Alors ça c'est une commotion cérébrale. C'est un amas de sang qui se crée. En fait, et qui du coup appuie parfois sur certaines parties du cerveau, et donc peut cacher la vue comme il a, etc. Donc, il faut agir vite. Dans ce cas-là, on opère, on ouvre, on retire en fait le petit amas de sang avec une pompe, et voilà. Alors, je vais demander à Soren de venir parce que c'est un neurologue, comme ça on s'assure que tout est bon, et comme ça en même temps il peut te montrer comment ça se passe bien si tu veux te spécialiser un jour dedans. Ok. Alors, Duncan. Vous avez effectivement une commotion cérébrale qui s'est créée dans votre cerveau. Donc, vous deviez sûrement déjà avoir un peu la tête un peu fragilisée par rapport à hier soir. Le coup répété a fait que voilà. Pas sympa. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va passer? C'est qu'on va vous opérer pour retirer ça. Et l'opération est simple, je vais même demander de l'aide au neurologue présent en service. Et après ça, vous réveillerez tranquillement et vous prendrez du repos pour ce soir. Ok. Voilà, il n'y a pas de grosses conséquences à cette opération, juste du repos pour le reste de la soirée. Ça marche. Hop, je vais vous relever, et puis chercher vos affaires. Attention. Je laisse reprendre vos affaires. Merci. Okay. Et on va vous accompagner en bas. Hop. Nickel. Partant en verre de béton. Ouais. Solide. Soren, est-ce que tu es disponible? Oui, totalement. Est-ce que je pourrais te retrouver en salle d'opération 1, s'il te plaît? Ouais, je me dirige, je sais pas. Merci beaucoup, docteur Sorel. De rien, directrice Jessica Wironi. Hop là. On va descendre par ici. Hop. Les crocs. Je vous laisse c'est perfecto les crocs. Merci Dante. Alors. Ouais, ne vous inquiétez pas, c'est glissant. Peut-être retirer votre eau, comme ça on est sûr. Mais du coup, Frank Duncan a une belle commotion cérébrale au niveau du cortex gauche. Je demande du coup à fait que voilà. Ouais. Ouais. Donc je me suis dit que ce serait mieux d'avoir un neurologue avec nous. Oui, c'est ma idée, oui. Ouais.
Vous, Franck, on va vous endormir. Ça va être un petit masque tranquillement. Vous allez respirer. Ça va être tranquille. On va s'occuper de vous. Et vous réveillerez en forme juste après. Ok. Alors, restez. Ok. Alors, je vais vous mettre le masque. Et donc, vous allez compter de 1 à 10 pour nous. Et vous allez prendre une grande respiration et vous allez vous endormir paisiblement avec. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, on continue à compter. 11, 12, 13, 14. Bon, j'ai l'impression que. La petite vérification. Vous êtes fait quand même rétamer hier. Ah, ça me fait mal, on a quand même fait des très beaux combats. En vrai, il a très bien combattu en plus. Ah bon, j'imagine qu'il va s'en occuper, Vania. Yes. Ouais. Hop, alors. Bon bah, Soren, je te laisse mener, hein, je pense. Oui. Que... Alors, du coup, Dante, pose l'opération de la tête. Si. J'ai demandé. Vania est jour sur la dernière terre. Les opérations de la tête du cœur, j'ai demandé ce qu'il jamais un médecin tout seul. Parce que les opérations comme ça, toujours un peu. Ouais, c'est ça, et on sait jamais s'il y en a un qui chute. Une baisse de tension, c'est vite arrivé. Mmh. Une goutte de sang dans l'œil, c'est vite arrivé, ça peut tout faire capoter. Ok. Préparé. Par précaution, j'ai demandé à ce qu'il y ait plusieurs médecins anciennement formés, ou alors stagiaires très très avancés. Et du coup, là, on va être avec toi, Jessica, tu seras là. Merci. Principalement pour observer. Oui, pour observer. Si. Ouais. Du coup. Hop là, on ouvre de ce côté là doucement. Ouais. Ouais, oh bordel. Il va avoir un gros trou de les cheveux là par contre. Tu penses avec tes feux sinon. La boule à zéro, hein. Non, quand même pas la boule à zéro. Non, pas la boule à zéro, mais il va avoir un très beau trou dans les cheveux. Bah après, s'il en a beaucoup, il pourra cacher, hein. Il faudra pas qu'il y ait du vent, hein. Ouais, c'est clair. Non, je vois un spot bien brillant. C'est ça. Ça va bien, bien polir. Exactement. Tu mets un peu de cire. Hop là. Donc le cortex gauche, ça va, il est assez grand pour qu'on puisse opérer. Enfin, je trouve qu'il est assez grand pour qu'on puisse opérer facilement. C'est pas comme si on devait toucher, par exemple, la troisième neurone du cinquième synapse de droite, par exemple, hein, qui est plus compliqué à toucher. Naturellement. Ah, c'est tout petit, donc forcément. Vas-y. Donc là, ouais, il y a la commotion, donc on va juste aspirer ce qui est pas censé être là. Voilà, c'est un peu de liquide céphalorachidien autour. Que sinon, ça fait bonk la tête. Et c'est pas tout bien lorsque le survie bonk l'artère de la tête, ça fait très mal. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir des cerveaux trop gros pour leur boîte crânienne, et du coup, ça fait mal après. Ça, c'est quand ils travaillent trop. Ah non, c'est juste, si je me trompe pas, le cerveau ne grandit pas. Ah ouais? Une fois que t'es né, si je me trompe pas, le cerveau il grandit pas. T'es né con, tu restes con toute ta vie en fait. Alors, con je sais pas, mais genre la taille n'augmente pas. Mmh. Hop là. Une dernière fois ici, Just Boom, si c'est juste sur ce point-là, s'il te plaît. Ouais. Merci. Ok. Hop là. Un peu plus. Fais un petit peu. Juste un petit peu plus haut. Un peu plus haut ? Ouais, okay. Juste là. Nickel. Là ouais. Ok, parfait. Nickel, nickel, nickel. Et hop là. Et là, c'est bon. Maintenant, on va juste se refermer. Ouais. Essayer de
camoufle le trou qu'on a dû faire. Hop là. Il s'est fait ça comment? Avec beaucoup de coups, c'est ça? Ouais, bah hier soir, et apparemment... refait taper. Tout à l'heure, il s'est fait taper à la plage. Aïe. Par des gars, ouais, c'est... Putain, la plage ce soir, c'est de l'éther. Quand des gens qui tabassent et des autres qui se prennent en otage à la plage. Ouais. Bon, c'est... au moins, on sait que le seigneur, il a pas la tête vide. Ah, c'est sûr. Pour LSMS. LSMS, elle écoute. Et... on écoute. Part au sud. Hop là. On écoute. LSMS, elle écoute. Hop là. Ah, merci bien. Est-ce que la personne que vous avez récupérée sur la prise d'otage tout à l'heure, elle est toujours avec vous ou pas? Non, la personne a souhaité repartir. C'est pas pour moyen. On peut finir contact si besoin. Il nous a autorisé à fournir son contact. Mais il nous a autorisé à fournir son contact si besoin. Bah du coup... Vous avez son contact du coup? Est-ce que vous pourrez me l'envoyer s'il vous plaît? Oui, je vous envoie ça. Vous êtes l'officier. Non, c'est Victor. Normalement, ouais. Bah, du coup, on peut l'emmener en salle. Ouais, je vais m'occuper d'envoyer Victor. Ok. Hop là, vas-y. Est-ce que tu sais comment faire pour on le transporter? On va avec impatience. On va bien essayer. Vas-y, essaye de le prendre sur le brancard en tant qu'escorte, si tu vois ça. Si tu vois. Vas-y, okay, je crois que c'est beau. C'est parfait. On avance. À gauche. Sure. Si, ouais. Si. Ouais, à droite. À droite. Tu le mets sur le premier lit, il n'y a personne. Je vérifie que mec. À qui? Je vérifie qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sur. Normalement, cette salle est vide. Donc, ouais, il n'y a personne. Soren, on aura sûrement besoin de toi. Sur notre inter. Ok, je viens après. Genre, imagine un bunk de très haut direct sur le sous-essence. Ah, sur le sous-essence. Ça va pas péter, mais c'est de très haut, tu vois. Ouais, je vois. Ok, du coup, dans ce cas-là, alors. Hop. Je remplis le. Tu le remplis ou je le remplis? Bah, limite, je te laisse remplir le dossier, mais je le mets dans. Occupation de chambre. Ok. Ah, il s'est juste pris du coup à la tête, c'est ça? Ouais, il s'est pris ouais, du coup à la tête plus dur. Par contre, j'ai remarqué qu'on a encore Franck, qu'on a encore Corzo. Ah! Oui, on l'a encore. Ah oui, il faudrait peut-être contacter. On doit donner quelques jours ou pas au patient pour contacter Le petit beeper, c'est vrai. Le petit beeper, c'est vrai. On aura un message sur le répondeur. C'est ok. Je médite très vite. C'est vrai. Est-ce que vous avez l'identité du patient? Monsieur Tom Bowman. Ok, merci, je règle la machine à frais, du coup. Non, Tom et Franck, mais à l'aide. Hop là. J'ai l'impression que ça se réveille un peu, non? Comme ça? Par les blessés. Ah oui, clairement, là, ça... ça commence à... oui. On va être prêt.
dernière autour de méditation. On y est revenu. Il y aura besoin du troisième paire de mains, donc ça sera bon. Ça fait jamais de mal. Ok, bah j'arrive. Et bonsoir. Et bonsoir. Alors, oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Je devais venir voir Vania ou Soren pour un check-up. Ah, bah actuellement ils sont occupés, donc je suis... Au pire, n'importe qui, je m'en fous. Hein. Oui, donc, voilà, on me dit c'est bon, je peux travailler, je m'en fous. Je vais m'occuper... Alors, je vais pas faire devant les yeux, hein, donc... Ok. On va aller voir ça. Ok. Facture, ouais. Les sous. Donc, jambe droite cassée, c'est ça? Oui, ça va mieux maintenant, je marche avec le plâtre, je conduis même. Oula, connaissez? Oui. C'est alors, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, avec l'accélérateur, le plâtre c'est un peu lourd donc. Ouais, je pense que c'est dangereux. Mais c'est pas grave, ça reste pas coincé, donc c'est bon. Ouais... Attention, parce que... Ouais, est-ce que ça peut avoir un accident rapidement comme ça? Je conduis prudemment. Ouais, j'en doute pas, mais... C'est vrai que généralement, c'est pas le conducteur le problème, c'est plutôt les autres autour. Avec toi? Ah oui, oui, oui. je répondais à un mais... Ah, bah attendez. Oui, allô? Oui, monsieur Auster. Fini le cours de claquettes? Ok, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en check-up LSMS, donc vite. Ok, je te rappelle après. Oh là 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 là, timing des gens. Je m'installe ouais. Là, c'est ça? Je vais juste retirer vos pantalons pour que ça soit plus simple, et puis sinon ça ira. Nickel. Voilà. Nickel, on revient tout de suite, ne bougez pas. Mais pas de soucis. Prenez votre temps. Bon, on va juste une petite radio de contrôle. Je vais lancer la machine, ne bougez pas Hector. On pensait deux fois rien. Hop. Une photo de fête. Et deux photos de fête. On regarde ça en arrière. Hop.
Par contre, vraiment, le plâtre en conduisant, c'est un noir. Les photos, elles sont en couleur ou toujours en noir et blanc? Toujours en noir et blanc, vieille technologie. Ah là 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 là, un jour, vous les ferez en couleur. Hein. Allez, promis. On vous dira si c'est arc-en-ciel ou pas. Yep. Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de rouge. Non, mais du coup, c'est nouveau, hein, pas se mentir. Yes. Vous pouvez vous rhabiller. Hop, parfait. Je réponds juste. Je trouve que... Hop, suivez-moi. Yep. Suivez-nous. Ah non. On va aller rechercher ce plâtre. Yes, super. Jambes totalement remises. Bon. Juste, ouais, la prochaine fois, éviter de conduire avec un plâtre, je pense que ce serait pas mal. Faut bien se déplacer. Marcher, c'est chiant au bout d'un moment. Ouais. Mais... Après, je sais pas. Il n'y a pas les taxistas ? Oui. C'est vrai. Parce que si on si tu conduis avec un plâtre, tu risques d'en avoir encore plus sur ton colo. Oui. Hop. Après, hier soir, je sais que je me suis beaucoup déplacé, mais il n'y avait pas de taxi. Ah. Après, ça arrive que les taxis soient fermés aussi. Hein. Oui, mais j'ai marché. J'ai pas utilisé... Hop. Allez, ici plutôt. Alors. L'entier pantalon, évidemment. Pourquoi je suis bon, alors je vais vous poser une petite bande en plastique entre votre jambe et votre plâtre. Mais pas de soucis. Comme ça, je vais éviter de couper votre jambe. J'ai une question. Mm-hmm. Bon, ça m'arrangerait. LSP, ça a été géré oui, c'est bon, ça a été géré. Je saurais que vous me réexpliquer le truc, serait. Merde, pardon. Ouais, t'es éclaté. Quand il y a eu l'école radio, je suis à moitié vu, j'étais en train de m'occuper de la personne qu'on vient de s'occuper. Alors... Bon, pour retirer, t'as différents tons, tu peux y aller à la perceuse, au flambeau, au marteau, tant que tu touches pas la jambe, ça va. Moi, je préfère y aller à la scie. Plus parfois, elle est silencieuse, ça dépend. Il y a ton tronçonneuse La tronçonneuse, c'est plus risqué, quoi. Mmh. Non, vraiment, pour avoir un travail le plus clean possible, c'est la scie. Ok, ok. Bon, c'est voilà. Faut juste que le travail soit propre. Pas trop de. Dire. Bon, faut être trop. Pas trop. Ah! Pas trop pressé. Voilà. Faut y aller tranquillement. Mmh. Oui, c'est délicat. Voilà. Hop. Là, on est tout bon. On va tirer le plâtre. Et voilà, vous pouvez vous relever tranquillement. Et sentir l'air frais sur votre jambe.
Ah, ça fait du bien. Ah, c'est surtout beaucoup plus pratique pour marcher. Hein. Ouais, tout d'un coup, bizarrement, un plâtre en moi, ça marche mieux. Ouais, ça marche beaucoup mieux. Hein. Hop, on va venir à l'accueil. Voilà. Mettez un peu de crème sur votre jambe, peut-être. Mettez un peu d'hydraté. Ok. Vous allez à la maison. Et voilà. Oh, vous avez l'air de bien marcher, c'est ok. Donc, ça va. Je suis quelqu'un de solide. Hop là. Alors, en tout cas, faites attention à vous. Vous oui. Tiens. Et passez une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et bonne soirée. Bonne soirée tous les deux. Bonne soirée. Tous les trois même. Ouais, et Vania et Soren, désolé pour hier soir, j'étais un peu chiant et voilà. T'inquiète, c'est les big up. Alors t'inquiète, voilà. Tu m'as juste donné un avant-goût que ce que c'était d'avoir un ado ou même un enfant de primaire. Nul. J'étais aussi. Parce que moi je m'en souviens pas. Ah bah, pas parce tout qu'après j'ai dormi. Tout le monde peut faire des blagues. Ouais, Hector, t'as littéralement appelé tout le monde pour faire des blagues de merde. C'est vrai? Oui. Oh là là là. Là. J'ai même hésité à voir avec te prendre ton téléphone tellement. Non. Mais attends, tout le monde. T'as appelé Ryan. T'as appelé Ryan Tanaus. Et t'as eu de la chance qu'il ait rigolé. Aïe. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, tu comprends pourquoi à un moment donné je me suis dit il fallait que je te prenne ton téléphone pour ta propre sécurité. Je vois. Bon, ben on va voir si je le recroise, comment il va réagir. Bah, j'espère bien quand même. J'espère aussi. Bon bah passez une bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Soyez prudents, faites bonne attention soirée. À vous. Vous êtes ouais, incroyables. Si. Oui, bonne soirée. Aussi. Ah ça doit être marrant hier soir. Ouais. C'est si drôle. C'est sûr que je suis capable de faire de bien meilleures blagues que lui. Je sais pas ce qu'il est. Jessica, fait comme blague. C'était vraiment terrible au point où je commençais. Putain. Au secours. Oui, oui, oui. Que j'ai commencé à me dire est-ce que je veux vraiment des enfants pour subir ça. Ah, c'est là quand même. Bon, après, c'est un bon entraînement. Hein. Ouais, ouais, mais c'est pas le meilleur. Hein. Ah, tu ne l'as pas trucidé donc. Après, tes enfants, c'est toi qui les élèves là. Oui, alors qu'il boit tout l'a pas élevé. Parce que si t'avais le vecteur, quand même, ce serait un peu bizarre. Parce que c'est-à-dire que tu serais beaucoup plus âgé que ce que tu m'as dit. Et t'as une bonne crème, une bonne routine le soir. Ah ouais, et... ça c'est sûr. Il a 25 ans. J'en ai 28. Ouais. C'est sûr, en fait, t'as 50 ans et t'as juste une très bonne crème. Très bonne crème. Ren, je serais ta cougar alors. Ah bah c'est vraiment une fille à vomir. Quoi? Ce serait pour ça qu'Ashley t'appelle maman. En fait tu es la merde. En fait Ashley. C'est juste qu'Ashley elle a compris. Elle a compris avant tout le monde. Faut qu'on fasse un test ADN. Quoi? Entre toi, Hector et Ashley. Allez. Quoi? Pourquoi? Pour voir si on darne ou pas. À l'aide. Moi je pense que je vais prendre une fin de service. Bah, bonne fin de service. Bonne fin de service. Et puis à demain. À demain, des bisous. Bah dimanche pour moi. Ah oui, c'est vrai, dimanche. Ah, oui, bah dimanche. Bah dimanche pour vous. Bonne fin de soirée. Merci. Bah bon courage. Merci. Hop. Dans des fins de service. Et bonne fin de service. Et bonne fin de service. Bonne fin de service.
Et bonne soirée. N'oubliez pas de manger et de boire. Prenez soin de vous.